Yo tout le monde, c'est Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty World War II, Bataille des Ardennes. Cela fait 6 semaines maintenant que Turner est mort et que j'ai été promu. C'est Noël. Nous nous enfonçons dans la forêt des Ardennes, en Belgique. Il fait tellement froid qu'on pisse des glaçons. Ça va être une putain de bataille. Sur ce, bon visionnage. Sans Turner, on n'avait plus de protecteur. Paul, tout ce que je voulais, c'était rentrer chez nous en héros. Maintenant que Pearson commande, je risque de ne jamais rentrer. Joyeux Noël, Turner. Au fait, Turner, Pearson a nommé le petit Pecno caporal. Je me demande ce que vous en auriez pensé. Sans doute que t'es toujours un gros salopard, Aiello. C'est pas le moment, les gars. À Turner. À Turner. À Turner. Quel sacré vénard, hein. Faut toujours qu'il soit le premier. C'est ça, continuez à me jeter. Ouais, profitez-en ce soir, parce que demain, quand le convoi va passer, c'est vous qui serez sur le front pour le protéger. Et Turner sera pas là pour vous défendre. Calme. Du calme. T'es caporal maintenant, hein. J'espère que t'es plus doué pour donner des ordres. Vas-y. Je peux savoir ce que t'attends. Eh, hey, j'en étais sûr. J'ai servi 6 ans avec cet homme. 6 ans. Joyeux putain de Noël. Le convoi est là et nous devons nous assurer qu'il atteigne le Rhin sans encombre. Et maintenant, on doit aussi survivre à ce froid glacial. Et à Pearson. Les bottes, vieux. Ils ont l'air neuves. Ouais. Il les a piqués à un auxiliaire. Je veux pour vraiment de froid. Si Pearson était mon radin sur les réquisitions, j'aurais pas besoin de voler. Pas de soucis. Elle lui servait plus à rien, de toute façon. Il est où, le campagnard que je connais? Si tu le vois, fais-moi signe. Sacré Noël, hein, les gars. Ah ouais. Ouais. On va devoir rester au coin du feu avec ma petite femme, alors que je peux me geler le cul ici avec une bande de nazes. Oh merde, on approche. Aiello, reprends la mitrailleuse. Oui, sergent. Sergent, pas de manteau ou de couverture en rab? Vous avez tout ce qu'il vous faut. La tranchée est amorphée toute la nuit. Prends des munitions, tu vas les ravitailler. Si je prends ces munitions, Aiello va se retrouver à sec. Alors il va falloir faire en sorte que chaque balle fasse bouche. Daniels, qu'est-ce que tu fabriques dans le coin? J'ai des munitions, les gars. Eh, hey, regardez, un vrai Saint-Nicolas. Jette ça sous votre sapin. Tu nous as apporté quoi? Des chocolats? Des chaussettes sèches? Merde, des boches sur la colline, à 12 heures! Enrayez! Daniels, s'il vous plaît! Nous, cherchez-en d'autres. En voilà un autre. Bon tir, Daniels. Ce poche-là ne rentrera pas. Mais comment ils font pour passer la 88e? Tu devrais aller à la tente de commandement.
Hey, caporal. J'ai une surprise pour toi. Voici Howard. Ravi de faire votre connaissance. Désolé, je pensais pas... Travailler avec un ingénieur hors pair. Howard était dans la compagnie qui a pris la crête. C'est dingue qu'il les laisse se battre. Bien sûr. Il nous laisse même mourir. Bon. Quand le convoi va passer, les Boches vont tout balancer. On n'attendait pas des réservistes? C'est nous les réservistes. Sergent, on devrait demander un renfort aérien. Regardez ça. Daniel vient de se souvenir qu'il était caporal. La radio est réparée. Ouais, vous faites pas trop d'illusions. Les autres savent plus où donner de la tête. Ravitaillement, servez-vous. Il ne reste plus qu'à les escorter jusqu'au Rhin. Ouais, en espérant qu'il reste un peu. Avant l'attaque. On doit retrouver Pearson. Tous avec moi. Par ici. Des blindés Boches arrivent, ils sont franchis nos lignes. Il y a une radio dans notre ancien PC. Couvrez-moi, le temps que je la mette en marche. Ce PC est trop proche de l'ennemi. Hé, hey, c'est caporal maintenant, bordel, alors agis comme tel. Ne fais pas nous demander d'y aller avec lui. C'est du quiz, à nouveau. Si tu le dis. Hey, j'étais sous-officier. J'ai renoncé à mes galons. Faut qu'on bouge. Et vite. Passez devant. Si tu tombes à l'envers. Je vais te mettre mon poing dans la gueule. Hé, hey, fais ton boulot. Si Howard meurt, on est tous foutus. Arrête-moi à prendre la radio. Je la tiens. Elle est amochée. Ça va me prendre un peu de temps. Retenez-les. Facile à dire pour toi. Protégez Howard. Surveillez les arts. Couvrez-moi. Dagwood White 5, nos avions sont en mission de bombardement. Heure de retour inconnue. À vous. 509, ici le QG. On a une demande de soutien aérien d'urgence. Ramenez votre escadrille une fois la cible atteinte. Bien reçu, QG. Dès que les bombardiers ne risqueront plus rien. Changement de cap. Nous sommes à 3 minutes de la cible. Protégeons les bombardiers. On a des tirs anti-aériens devant nous. Manœuvre d'esquive. Évitez leur DCA.
Mayday, mayday, mayday! Thank you.
s'écraser. J'ai tenté de protéger. L'infanterie des engins blindés ennemis attaque la 9e division blindée. À vous. Rover Joe! Rover Joe! Ici Dagwood, White 5! Ils sont sur nous! Où est notre appui aérien? En attente, Dagwood, White 5. Avion en route à 50 miles. À vous. On dégage de là, allez! Allez, on doit retourner sur la ligne de front! On se replie! Allez, allez, allez! Les renforts aériens sont en route! Accroche-toi, l'ami! Essaie dans mon viseur! Tu m'as sauvé la vie! J'ai la trousse de secours! Surveillez cette lisière! Balance-la! Restez sur vos gardes! Les poches vont revenir!
J'ai une question, Corporal. Ça fait combien de temps que Pearson est aussi taré? C'est pas vraiment de mon sort. Il y aura sûrement une médaille pour ça. C'était pas si mal. On a de la chance d'être en vie. Pour l'instant. Daniel s'emmène ses poches au traitement. Oui, c'est vrai. Et mangue-toi le train.
Hey, j'ai déjà vu ce regard. C'était juste avant Catherine. Il n'y a plus que nous, les gars. Pearson était certain de nous envoyer à la mort, mais nous avons réussi à défendre le convoi, et nous sommes parvenus à repousser les ennemis. Turner aurait été fier de nous. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde!